chère population de Ziguinchor, chère population du quartier de Kanyala, monsieur le maire, mon cher frère et ami de la grande et belle ville de Boaké, je suis particulièrement heureux de vous souhaiter, au nom des populations de Ziguinchor, au nom du conseil municipal et en mon nom propre, une chaleureuse bienvenue, j'allais dire Akwaba, à vous ainsi qu'à toute la délégation qui vous accompagne. Et dans ce que je peux pouvoir appeler votre maison, c'est Ziguinchor, c'est aussi chez vous. Vous êtes en effet ici chez vous au Sénégal, en Casamance et à Ziguinchor, pour les nombreuses considérations que vous savez. Me référant à la grande qualité de l'accueil que vous avez réservé à la délégation que j'ai eu l'honneur de conduire à Boaké en août dernier, je voudrais solliciter votre indulgence pour votre compréhension pour les éventuelles insuffisances qui pourraient marquer votre séjour ici à Ziguinchor. En tout état de cause, sachez que notre ambition est de vous accueillir dans la pure tradition de l'hospitalité légendaire sénégalaise que nous appelons la Teranga. C'est dans cet esprit, monsieur le maire, chers frères, cher ami Nicolas, que les populations et le conseil municipal de Ziguinchor vous renouvellent leur infinie gratitude pour votre générosité, votre disponibilité et votre proactivité dans le renforcement des relations d'amitié entre nos deux villes. Merci d'avoir pris de votre temps précieux pour venir jusqu'ici, après avoir répondu à notre invitation à cette cérémonie que nous plaçons comme une suite logique de celle de Boaké dans la mise en œuvre des dispositions de notre charte de jumelage. Monsieur le maire, le 6 août dernier, à l'occasion de la cérémonie de baptême de la rue Ziguinchor à Boaké, je vous disais ceci, que par ce geste, vous veniez d'intégrer Ziguinchor dans l'histoire de la ville de Boaké. Aujourd'hui, cher ami Nicolas, en ce samedi 27 novembre 2021, Ziguinchor vient aussi à son tour d'intégrer à jamais la ville de Boaké dans son histoire, si riche et si diversifiée. Chère population de Ziguinchor, la ville de Boaké, à laquelle nous donnons aujourd'hui le nom de cette avenue, surtout vous, population de Kanyala, est une ville ivoirienne fondée en 1898 et de 19 000 habitants en 1946, cette ville est aujourd'hui devenue la deuxième ville la plus populaire de la Côte d'Ivoire après Abidjan, avec près d'un million d'habitants, donc un peu et beaucoup plus grand que Ziguinchor. Située à environ 350 km d'Abidjan, la capitale ivoirienne, cette ville du centre de la Côte d'Ivoire est un carrefour commercial de première importance entre le Mali et le Burkina Faso, mais d'une part entre Abidjan et la basse Côte d'Ivoire d'autre part. C'est pour moi le lieu d'adresser mes chaleureuses félicitations à notre cher ami, le maire de la ville de Boaké, pour avoir érigé dans sa ville le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest et devant lequel passe la rue qui porte le nom de la ville de Ziguinchor. Mesdames et messieurs, cette population, nos deux villes, Ziguinchor et Boaké, ont bien des égards, un parcours et des caractéristiques similaires. Elles ont en effet toutes les deux été marquées historiquement par la présence des Portugais et des Français. Sociologiquement, par des brassages humains, culturels, voire religieux remarquables, et aussi malheureusement, aussi par une histoire bien éprouvée avec des crises sociopolitiques qui ont sensiblement freiné leur développement. Il est heureux de constater aujourd'hui, chers amis, que
toutes les deux villes renouent avec une situation de paix et de réconciliation nationale qui manifestement souffre de part et d'autre dans ces deux contrées dont chacune joue un rôle important dans le développement de nos deux pays, mais aussi par-delà dans toute l'Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, chères populations, l'amitié entre Ziguinchor et Boaké remonte au 4 septembre 2018, quand mon cher ami et frère Nicolas Dibot, maire de la ville de Boaké, et moi-même avons paraphé la charte de jumelage entre nos deux villes pour mutualiser nos efforts afin de développer et de promouvoir les activités socio-économiques et culturelles dans nos deux villes. Après plusieurs échanges féconds, le conseil municipal de la ville de Boaké, à sa tête, le maire Nicolas Dibot Youssouf, soucieux de consolider et de renforcer les relations amicales et fraternelles entre nos deux cités, nous a fait l'insigne honneur de faire porter à notre ville le nom d'une des rues les plus célèbres de Boaké. C'est cette marque d'estime, d'affection et d'amitié fraternelle à l'égard de notre ville et de sa population que le conseil municipal de Ziguinchor, que j'ai l'honneur de diriger, a réitéré en faisant porter cette grande et belle avenue à une des plus belles villes ivoiriennes, la ville de Boaké, dont le nom de cette belle rue sur laquelle nous nous situons aujourd'hui. Monsieur le maire, cher ami, le choix porté sur cette avenue est loin d'être fortuit. En effet, elle traverse l'un des plus grands quartiers de notre commune, dénommé Kanyalan. Ce quartier loti en 1981, mais dont l'attribution des parcelles à usage d'habitation n'a eu lieu qu'en 1996, a subi une extension rapide, la plaçant aujourd'hui au rang des quartiers les plus peuplés de notre commune. Cette avenue qui la traverse contribue significativement à son désenclavement parce que la reliant à l'est à la route nationale numéro 6 qui mène vers Kolda, la Guinée et Tambacounda, la République de Guinée, je voulais dire, et à l'ouest par la route nationale numéro 4 qui conduit vers la Guinée-Bissau. C'est donc une route urbaine, mais aussi une route d'intégration sous-régionale. Monsieur le maire, chers amis, c'est aussi dans ce quartier que réside celui que nous appelons affectueusement le maire de Boaké, à Ziguinchor, notre adjoint Taïbou Diédiou. Monsieur le maire, chers amis, vous comprenez avec moi que cette avenue qui porte aujourd'hui fièrement le nom de Boaké marquera à jamais l'esprit des Ziguinchorois. Vous avez annoncé à Boaké que le baptême de la rue Ziguinchor était le présage d'une longue et fructueuse vie commune axée sur les belles perspectives de développement pour nos deux villes. Dans cette même optique, je puis vous dire, monsieur le maire, cher ami, avec fierté et certitude, que la cérémonie qui nous réunit cet après-midi sur le baptême de l'avenue Boaké de Ziguinchor fixe définitivement et solidement les bases de cette relation qui, à tout point de vue, sera bénéfique à nos deux villes et au-delà à nos deux peuples qui entretiennent d'excellentes relations depuis les indépendances à travers les pères fondateurs de la République du Sénégal. Je veux nommer le président Léopold Sédar Senghor et le fondateur de la République, Sœur de Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny, et poursuivi par tous les présidents qui se sont succédés à la tête des États et jusqu'à nos jours avec le président Macky Sall et le président Alassane Dramane Ouattara. Monsieur le maire et chers amis, je l'avais rappelé à Boaké que notre situation de ville secondaire, mais aussi de ville frontalière avec des pays voisins, nous invite inéluctablement à plus de tolérance, d'acceptation de l'autre, dans toute la diversité pour une coopération féconde et une paix durable. Je reste plus que jamais convaincu que cet exemple de coopération sud-sud servira ou
du moins, doit servir de tremplin pour une nouvelle forme de coopération basée sur l'assistance mutuelle et sur une solidarité rentable au grand bonheur des populations de nos deux cités et au-delà de nos nations qui, depuis les indépendances, ont tissé d'excellentes relations de fraternité, comme je l'ai souligné tantôt. Soyez rassurés, monsieur le maire, cher ami, la commune de Ziguinchor, à travers son conseil municipal, ne ménagera aucun effort pour faire de cette coopération un exemple de réussite et de fraternité réaffirmée. Monsieur le maire, chère population de Ziguinchor, désormais les dates du 6 août 2021 et du 27 septembre 2021 seront marquées à jamais en lettres d'or dans les annales de nos deux cités, car marquant un tournant décisif dans la coopération sud-sud basée sur le donner et le recevoir dans la pure tradition africaine. Monsieur le maire de la ville de Boaké, chers amis, chère population, je ne serai terminé sans adresser mes vifs remerciements à tous qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cet événement important de la vie de nos deux communes. C'est un immense plaisir de me retrouver parmi vous sur cette terre féconde de la Teranga, au sein de cette grande nation sénégalaise pour laquelle tous les Ivoiriens dans leur ensemble porte des sentiments très affectueux de fraternité. Boaké me charge de profiter de ce moment solennel pour dire un grand merci à tous les Ingishirois pour le séjour que votre maire et sa délégation ont bien voulu effectuer dans notre ville au mois d'août dernier. Ce geste nous a vraiment édifiés. Car en amitié, ne dit-on pas toujours qu'un acte vaut mieux que mille paroles. Monsieur le député maire de la commune de Ziguinchor, très chers frères, très chers amis, au nom des populations de Boaké, ainsi qu'à mon nom propre, qu'il me soit également permis de traduire ici et maintenant à toutes et à tous notre profonde gratitude pour cette chaleureuse hospitalité dont nous sommes l'objet depuis que nous avons foulé ce sol de la Casamance. En réalité, cette chaleur de l'accueil que les populations des Ziguinchor nous réservent ne nous surprend guère. Elle ne surprend guère dans la mesure où elle montre parfaitement la profondeur des liens qui unissent nos deux pays, nos deux cités et le sens historique de ces relations. Et la présence de cette forte délégation que je conduis à Ziguinchor, dans le cadre de ces relations de jumelage avec Boaké, résonne comme une illustration parfaite de ces excellents liens unissant les peuples sénégalais et ivoiriens depuis plusieurs décennies. Deux nations fières de leurs relations uniques et exemplaires, construites depuis les indépendances sur le socle de l'affection, du respect mutuel et de la confiance réciproque. Monsieur le maire de Ziguinchor, très cher frère Abdoulaye Baldé, je voudrais que vous sachiez à quel point notre joie est immense en ce moment précis où nous célébrons dans votre cité l'intensité des liens qui unissent nos deux villes depuis le 4 septembre 2018, date à laquelle nous avons paraphé la charte de jumelage. Des rapports de jumelage qui, faut-il le reconnaître, jouissent d'un souffle nouveau et plein d'espérance depuis que vous avez procédé à Boaké à l'inauguration de l'avenue Ziguinchor, sise au quartier Sokroi. Et si nous sommes venus de Boaké en si grand nombre, c'est pour justement marquer d'une pierre blanche cet engagement renouvelé en vue d'explorer et de tirer meilleur parti
de notre relation de partenariat dans toutes ses dimensions. Au moment où Boaké, notre cité, cherche à retrouver son lustre datant, sur l'échiquier socio-économique national et sous-régional, le baptême de l'avenue Boaké à Ziguinchor ne pouvait que mieux tomber. Car vitrine du brassage interculturel de plusieurs peuples aux origines diverses, Ziguinchor est l'une des localités de référence dans cette sous-région où Boaké peut se faire avec assez de visibilité. Symbole privilégié de cette grande attention que vous portez à notre endroit, cette avenue aura cet avantage de graver dans le marbre pour des siècles et des siècles ce grand amour que Boaké et Ziguinchor se portent mutuellement. Toute chose qui constitue une invite aux futures générations pour pérenniser ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Et c'est pour moi le moment de nous interpeller, Boaké et Ziguinchor. Monsieur le maire Aboulaye Baldé, nous avons réussi le jumelage institutionnel de nos villes. Il est temps, grand temps, que ce jumelage se traduit par une coopération entre nos peuples. Et en cela, je vois deux axes prioritaires qui, pour moi, passent par le monde économique, à travers l'appui de nos chambres de commerce respectives. D'ailleurs, dès demain, je recevrai les commerçants de Ziguinchor pour l'amorce de cette coopération entre les peuples. Le deuxième axe que je voudrais proposer à mon cher ami, très cher frère Aboulaye Baldé, c'est l'axe universitaire. Les universités de Ziguinchor et de Boaké peuvent coopérer. Je sais que déjà l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et l'université de Ziguinchor travaillent ensemble, procèdent à des échanges. Et il n'est pas normal que Boaké, qui est la sœur jumelle de Ziguinchor, reste. Laisse un reste. Donc, nous allons, dès mon retour, voir les universités de Boaké pour qu'elles prennent attache avec l'université de Ziguinchor pour nouer ce deuxième axe de relation. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs de Ziguinchor, unir des villes pour unir les hommes, tel est le credo dans lequel nous nous inscrivons. Le jumelage pour nous, c'est avant tout cette volonté constante de découverte permanente, réciproque et judicieuse de tout ce qui constitue notre identité. Nos échanges doivent nous rapprocher pour relever les défis et les enjeux d'aujourd'hui, mais également ceux de demain. Raison pour laquelle nous nous sommes réjouis du programme du séjour dont les points saillants demeurent en nôtre. La tenue au complexe Aubert du mini-forum sur les opportunités partenariales entre la région de Ziguinchor et celle de Boaké, le tournoi de l'amitié Ziguinchor-Boaké et la découverte des sites touristiques. Ziguinchor a conquis notre cœur à la fois pour son histoire, pour sa culture d'hospitalité et pour son rayonnement au-delà du Sénégal tout entier. Notre espoir est de voir les rapports que nous entretenons fortifier cette sous-région ouest-africaine à partir des hommes pour distiller aux quatre coins de l'Afrique ce sentiment de fierté et d'appartenance à un grand continent. Je voudrais clore mon propos par des mots de remerciement. C'est vrai que nous sommes là que depuis hier soir, mais je vous avoue que nous nous sentons comme si nous étions à Boaké, dans le Boaké
au centre de la Côte d'Ivoire, en plein cœur du pays baoulé. Je voudrais terminer en vous félicitant pour cette belle mobilisation faite de ferveur. Et c'est pour moi le moment de vous demander d'applaudir M. Abdoulaye Baldé, votre chère maire, votre chère dynamique maire, qui prouve avec dynamisme son talent d'animateur et de gestionnaire de la belle ville de Ziguinchor. Au nom de tous les membres de la délégation ivoirienne, je voudrais vous dire merci et vous rassurer, très chers parents de Ziguinchor, que le meilleur est à venir, le meilleur est devant nous. Merci à toutes, merci à tous. Vive l'avenue Boaké de Ziguinchor. Vive la commune de Ziguinchor. Vive la coopération et la fraternité ivoiro-sénégalaise. Je vous remercie pour votre aimable écoute. Je vous aime. Merci.